Si le maître savait cela, sa colère serait terrible. Il suffit de ne pas lui dire. Dans la vie, faut pas s'en faire une ampleur, surtout quand on risque sa place. Oh, Big Ben, invitons ces gens à dîner. Ils sont tellement charmants. Tous ? Non, mais vous plaisantez ? Pas d'affolement, Big Ben. On peut faire une petite dînette. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe, dit maman ? Je t'expliquerai bien, mon petit trésor. Mais t'inquiète. Faisons la dînette. Coucou. Ça suffit. Arrêtez. Vous entendez, tout le monde ? J'ai dit silence ! Et tant qu'à faire des sottises, autant commencer tout de suite. Mais ce sont nos invités. Nous devons leur réserver le meilleur accueil. Messieurs, c'est avec une profonde fierté et un immense plaisir que nous vous invitons maintenant. Détendez-vous, ne pensez plus à rien. Prenez place et laissez la haute gastronomie française vous présenter votre dîner. Yeah.
Essayez de comprendre, maître. La pauvre petite a perdu son père et sa liberté, tout cela dans la même journée. Dois-je vous rappeler, maître, que nous fêterons bientôt votre 21e anniversaire? Je sais. C'est peut-être elle qui brisera le charme. Souvenez-vous que vous devez aimer une femme et en être aimé. Je sais. Et que ce jour-là seulement, nous reprendrons notre apparence humaine. Oui, oui, j'attends cela depuis si longtemps. Ce sera merveilleux. Oh! Je vous avais interdit d'entrer dans cette pièce. Je voulais voir si... Il n'y a rien à voir ici. Non, je vous en supplie. Je vous avais interdit d'entrer dans l'aile ouest. Et vous devriez contrôler votre sale caractère. Je ne peux pas. Comment le savez-vous, si vous n'essayez pas? Dites-lui quelque chose de gentil. Conduisez-vous en vrai gentleman. Pardonnez-moi. Vous êtes pardonné. Voilà. Je n'ai jamais éprouvé ça pour personne. Il y a quelque chose dans son regard, d'un peu fragile et de léger comme un espoir. Toi, mon amour, aux yeux de soi, tu as souri, mais hier encore, je ne savais pas. Et de là, ce serait plus insensé, pas tant d'en voir ce que ça donnera. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Quoi? Il y a quelque chose qui hier encore n'existait pas. Qu'est-ce que tu dis, maman? Chut! Ce sont des histoires de grandes personnes. Thank you.
jamais